Il y a dans ce peloton 22 championnes nationales et de l'Australie au Vietnam, plus de pays représentés qu'au Tour de France des hommes. Greta Richoux, elle, a été championne d'Europe junior et en Ardèche, elle est chez elle. De rouler sur mes routes, bah forcément, j'ai envie de bien faire. Et voilà, hier, j'ai fait un podium et je suis très satisfaite. La troisième place de Greta Richoux la veille a été soulignée par le Dauphiné Libéré, quotidien régional, et elle le sera par la Tribune hebdomadaire départementale. Aucun autre journal ne mentionne l'épreuve et la seule caméra qui la suit de bout en bout est tenue par un bénévole de l'organisation. Un an après la visite de la ministre des Sports, l'avenir d'une des plus grandes courses féminines au monde reste incertain. On se maintient juste et si nous n'arrivons pas dans un très court laps de temps à augmenter ce capital de partenaires, il sera très dur de maintenir cette course. Il faudrait que les grands médias se décident à venir un petit peu soutenir les filles. À défaut des médias, les collectivités renforcent leur présence. Et de Chomérac à Privas, terme de la dernière étape, le discours des élus est unanime. C'est aussi en soutien au cyclisme féminin, parce que si les mairies ne jouent pas le jeu et ne participent pas et à l'accueil au départ et à l'arrivée, le Tour se mourra. On a des bénévoles et les élus des communes qui traversent jouent le jeu. À nous aussi, force publique, de les accompagner pour que ça soit bien relayé. Ça génère énormément d'engouement dans la population, chez les associations qui reconnaissent le bien fondé. Et nos partenaires sont également extrêmement intéressé par cette épreuve. Le Tour de l'Ardèche s'est achevé sur la plus belle avenue de sa capitale, celle du Champ de Mars à Privas, par la victoire à l'étape de l'Italienne Erika Magnaldi et au général de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Tout le monde se retrouve à la fin du mois pour les championnats du monde à Innsbruck.